Ok, let's go. Bon, on va attendre un petit peu quand même quelques secondes. Yes, donc on a bien reçu la confirmation. On va attendre quelques secondes pour ce live et puis après on est parti. Ah, donc désolé, hein, j'ai l'ordinateur qui souffle pas mal dès qu'on commence à rentrer en live, c'est ce qui arrive assez fréquemment. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Prums, bonjour, bonsoir. Voilà, je vois que ça commence à arriver. Let's go. Bonjour, bonsoir. Prums, Chris, salut. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le marché, sur Luna. À quoi s'attendre? On a quelques news qui sont plutôt intéressantes. On va aussi essayer de comprendre un peu l'explosion qui est en train de se passer sur le Luna Classic. À quoi s'attendre demain avec le listing, pardon, de Luna sur Binance. Et enfin, on va faire un petit tour quand même sur le Shiba Inu si ça vous intéresse. Et après, on va faire une petite session, pardon, questions-réponses. Allez, ça c'était le programme du jour. Bon, déjà dans un premier temps, vous pouvez voir que du côté des actions, parce qu'il faut regarder quand même les actions de temps en temps, même si c'est pas ce qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, ça reste quand même le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations qui vont donner le tempo, le rythme au marché. Forcément, quand on a Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Facebook, Disney, Amazon, Tesla. Bon, tout ça, ce sont des noms qui vous parlent et ce sont les gros noms qui vont faire monter le marché. Enfin, lorsqu'ils montent, ils vont aussi emporter le marché des crypto-monnaies avec eux. Donc, forcément, bah, là, on a un marché des actions qui est plutôt vert. Ça fait plaisir parce que dès qu'on voit ça, on peut aussi regarder du côté, cette fois-ci, eh ben, des crypto-monnaies. On a un petit Bitcoin qui essaye doucement mais sûrement de d'effleurer les 31 000 dollars. Donc 30 700 dollars, plus 5% sur 24 heures. Ethereum, plus 7% sur 24 heures, bientôt à 2 000 dollars. Le BNB à plus 3,5%, voilà. Après, on a un Solana aussi qui est plutôt sympa. Un ADA qui fait plus 13% sur 24 heures. Mais aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, je pense, ça va être cette petite ligne qui est juste là. Luna. Ici, on parle de Luna classique. À plus 62,58%. Donc le Luna classique a plutôt pas mal explosé aujourd'hui et on a une raison, hein, clairement une raison valable de cette explosion qui s'est faite en un temps record. C'est dans le titre de la vidéo, hein, c'est le listing de Luna classique sur Binance. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais durant un temps, on a arrêté les trades sur Binance, on a arrêté le Luna Classic. Que ce soit face au BUSD ou face à l'USDT, on ne pouvait plus le trader. Donc là, depuis qu'on peut le faire, donc aujourd'hui, vous avez vu la mèche, elle est explosive. Je vais peut-être me mettre en une minute, histoire de voir vraiment, de se rendre compte de ce qui s'est passé. Alors, ce qui est encore une fois, pas fair play, je trouve. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve pas ça très fair play de la part de Binance. C'est qu'en fait, ils avaient mis une date. Moi, j'avais vu une date de listing pour le Luna Classic qui était, je pense, c'était, je crois que c'était demain en même temps que le Luna V2. En tout cas, c'est ce que j'avais vu. Et là, on se rend compte comme ça, d'un seul coup, qu'on a un petit Luna classique qui s'est fait lister. Passant de. Voilà, il a fait x3, clairement, il faut se le dire. Il a été à triple 0,1, il est monté à triple 0,3, quasiment. Donc là, on a une grosse mèche et puis ensuite, grosse correction simultanément. Salut à tous ceux qui arrivent sur le live. Là, si vous voulez, pour résumer, je suis en train d'expliquer rapidement le pourquoi du comment de cette explosion de Luna Classic aujourd'hui. Parce que. Encore une fois, Luna Classic, là où est-ce qu'on est, c'est 61% et dans la journée, on était même monté jusqu'à 300% de hausse. Donc, ce qui va m'intéresser aussi sur le Luna Classic, et j'aurais dû le mettre dans le titre, c'est que Terra Classic est à mon sens devenu un shitcoin.
mais sûrement le shitcoin le plus solide qu'on ait jamais vu derrière Shiba Inu. Bon, Shiba Inu, c'est solide grâce à sa communauté, hein. Shiba Inu, pour rappel, c'est des trucs complètement stratosphériques quand ça veut, hein. Bon, c'est vraiment quand ça en a envie, par contre. On passe du 28 septembre à... Je pourrais même pas vous lire les chiffres, tellement c'est insolent. Mais bref, on fait plus 1200% en un mois sur une crypto-monnaie qui était déjà dans le top 100 pour le Shiba Inu. Et donc, dites-vous que Luna, le Terra classique, eh ben, on a une communauté qui est quasiment aussi strong, aussi forte, aussi solidaire que celle de Shiba Inu. Donc effectivement, Luna est devenu pardon, un shitcoin bah, suite à l'explosion de sa supply. Où est-ce qu'on est? Voilà. Donc, est-ce que ici on va voir la supply de Luna? Celle-là, je pense que c'était la supply de base. Ouais, ça c'était la supply de base. On va voir ici, total supply, hein, 6 900 milliards de Luna. Donc c'est complètement délirant. Et ce qui nous intéresse aussi, du côté des news, si vous voulez, pour l'explosion de Luna, c'est tout simplement le burn. Alors, le burn, il a commencé sur le Luna classique, il a commencé depuis, je pense, bientôt une bonne petite semaine. Et depuis cette annonce de burn, d'ailleurs, on avait eu des cryptos qui avaient explosé, tels que Encore Protocol et bien d'autres crypto-monnaies qui sont liées à l'écosystème Luna. Donc pendant que je fais mon petit speech, je me permets, pendant que je fais mon petit speech, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai à la fin de mon speech. Mais là, je veux vous transmettre quelques informations. Après, dès que vous avez des questions, voilà, on va les lire ensemble, on va prendre le temps, et puis on va y répondre, quoi. Donc il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, posez vos questions, ne ratez pas l'occasion de poser vos questions. En plus, on est tous là pour partager un moment de détente ensemble. Donc, je reprends là où j'en étais. Le burn sur Luna qui a commencé depuis bientôt une semaine. Et d'ailleurs, on avait deux oppositions. On avait deux oppositions entre CZ, donc de chez Binance, et bien sûr, Dokun, le créateur de Luna, qui n'était pas d'accord sur le fait, en fait, de soit burn, soit de recréer. Comme on a pu voir, de faire un fork et de recréer bien sûr Luna 2.0. Et depuis ce burn, si vous voulez, en fait à la base on était à 6 500 milliards de jetons. Et là on a pu voir que, il y a 30 secondes, on a pu voir qu'on était à, bon, à 6 900 milliards, il y a un problème. Mais j'ai vu, alors attendez, j'ai vu une information passer, voilà, c'était ici. Donc bien sûr ça vaut ce que ça vaut, c'est pas du sûr, hein, on est sur Twitter, c'est fait par un bot. Mais... Sur, alors attendez, je reprends, voilà. Sur les 6 500 milliards de jetons Luna, il n'en resterait plus que 6 250 milliards. C'est-à-dire qu'on aurait déjà burn 250 milliards de Luna. Donc c'est quand même pas rien, 250 milliards de Luna, surtout en une semaine. Bon, même si on en a créé 6 500, c'est déjà un bon début. Et ça peut expliquer aussi, ça peut expliquer tout simplement la hausse qu'on est en train de voir sur le Luna classique. Bon, là, qui est en train de corriger à plus 35%. Voilà. Donc ça, c'était du côté du burn. Ensuite, donc ça, c'est fait. Ensuite, du côté bah, des crypto-monnaies qui sont associées à l'écosystème Terra, bah pour l'instant on n'a pas grand-chose de solide, d'accord? Quand on regarde comme ça, on a à peu près tout qui est en train de se crasher. Donc là, on peut voir par exemple Terra World à moins 16%, Plainity à moins 6%, Spectrum Token à moins 20%, Mars Token moins 20%, Astroport moins 20%, Loop Finance moins 41%, Bonded Luna moins 65%. Donc on a quand même des grosses claques du côté de l'écosystème de Terra. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez sévère. Et forcément, ce sera de pire en pire si... ces crypto-monnaies-là, de cet écosystème-là, n'acceptent pas, pardon, la nouvelle blockchain Terra, donc Phoenix One, je crois.
Salut à tous ceux qui viennent et toutes celles qui viennent d'arriver. Petit récap, on est en train de parler de la hausse du Luna classique et on a vu que ça s'est fait surtout suite au listing de Binance. Voilà, listing de Binance qui s'est fait aujourd'hui et on peut s'attendre aussi demain donc à un pump similaire sur Luna 2.0. D'ailleurs, où est-ce qu'il est, mon petit Luna 2.0? Voilà, donc là je vais fermer ça parce que vous entendez l'ordinateur qui souffle, donc on va essayer d'économiser un petit peu d'énergie pour ce pauvre ordinateur. Et on continue. Voilà. Le Luna V2 régale. Effectivement, bah là on va y arriver de toute façon au Luna V2. Effectivement, là il régale, hein. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Je suis d'accord avec toi, Mathieu Carvalho. C'est-à-dire que le Luna V2, il fait un bon petit plus 53% sur 24 heures. Donc, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment sympa. Surtout que du côté de Binance, on a été airdroppé. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Vous avez reçu... Enfin, on a tous reçu, même... nous sommes tous dans le même bateau, pardon. On a tous reçu nos Luna V2 sur Binance. On avait perdu temporairement nos Luna classiques sur Binance, mais on les a récupérés. On peut de nouveau les trader, on vient de le voir à l'instant. Donc on peut les échanger, les vendre, les acheter sur Luna Classic, sur Binance. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. On attend simplement, du côté de Binance, on attend le listing de Luna V2 parce que vous les avez reçus, mais vous ne pouvez pas encore... ni acheter, ni vendre. Donc forcément, c'est sympa d'avoir des crypto-monnaies, mais si on ne peut pas les acheter, les vendre, les déposer ou les retirer, pour l'instant, on peut pas en faire grand-chose. Et c'est normal, c'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu. Donc du côté du Luna V2, je pense que nous sommes loin de l'ATH. Rappelez-vous, là je viens de vous le montrer il y a quelques secondes, rappelez-vous que le Luna V1 a fait x3 sur un listing Binance alors qu'il était déjà listé avant sur Binance. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le truc, mais c'est une crypto-monnaie qui était déjà là, qu'on a retirée et ensuite qu'on a remise. Et derrière, elle a quand même fait x3 sur le fait de se faire relister. Donc ça veut dire que si vous ne vendez pas, si vous n'aviez pas vendu vos Luna V2, vos Luna classiques, on s'y perdrait presque, hein, vos Luna classiques, eh ben vous pouviez revendre dès le listing à l'ATH, quoi. Enfin, on pouvait revendre jusqu'à 0.003. Donc c'est quand même déjà un très très bon début. Alors, je vous lis un petit peu en même temps. Alors, Prums, Chris, Maxime Segla, salut, salut. Yves, salut. Dépannage, salut à toi. Marin, David, salut. Salut frérot, salut. Shiba Inu, c'est zéro, il y a trop de tokens. Bah, si Shiba Inu, il y a trop de tokens. Alors, attendez, où est-ce qu'il est, le petit Shiba Inu? Sachant que Luna, c'est 6900 milliards. Je suis pas sûr que Shiba... en fait, je sais même plus. Je crois que si, je crois que si, Shiba, il y en a beaucoup quand même. Il y a trop de tokens sur le Shiba. Ouais. Ok, d'accord. J'avoue, le chiffre, il est pas lisible. C'est 549 000 milliards. Ok. Bon, bah, il y en a 10 fois plus que sur le Luna. Et pourtant, on est seulement à 4-0 après la virgule 1. Alors qu'il y a 10 fois plus de tokens sur le Shiba Inu. Donc je pense que Luna en tant que shitcoin, ça a vraiment de l'avenir. Le Shiba Inu, il a déjà fait son travail, hein. Franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. Ça serait lui manquer de respect que de dire qu'il a rien fait. Par contre, effectivement, bah, depuis un certain temps, il est en train de corriger. Sauf que avec toutes ces annonces de métaverse, de NFT, de trucs, croyez-moi que le Shiba Inu est loin d'avoir terminer son parcours. Et moi, je miserais même, là, c'est de la pure spéculation, je miserais même sur un Shiba Inu qui ferait une espèce de collaboration avec l'écosystème Bored Ape. Franchement, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas, parce que dans les deux cas, c'est la communauté. Alors, Bored Ape, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas trop, hein, on est d'accord, c'est la collection, si vous voulez, de NFT.
Je pense qu'il est quand même, voilà, pour votre culture générale, si vous n'êtes pas trop dans les NFT, bah voilà, c'est pas grave, on rattrape, y a pas de honte, hein. Donc les Bored Ape, ce sont les NFT bien sûr les plus chers actuellement. Peut-être, comment ils s'appellent? Les pixels, les CryptoPunks, voilà. Peut-être les CryptoPunks coûtent plus cher, mais c'est différent. En tout cas, l'écosystème Bored Ape, c'est vraiment l'écosystème qui appartient à la communauté. C'est l'équivalent du Shiba Inu, mais en NFT. Clairement, si Shiba Inu, c'est la crypto de la communauté, bon, Bored Ape aussi, malheureusement, c'est pas accessible à la communauté comme le pourrait l'être le Shiba Inu. C'est d'ailleurs ça aussi qui avait fait exploser cette histoire, le Shiba Inu. C'est-à-dire que lorsqu'on l'achetait au début, pour 10 dollars, on pouvait se retrouver avec 1 million, 10 millions, 100 millions de Shiba Inu. C'était délirant. Bon, bien sûr, tu te doutes bien que là, Bored Ape à 87 Ethereum, le prix plancher, c'est-à-dire le minimum, ce n'est pas accessible à n'importe qui. Bon, ça c'est la petite comparaison, mais je pense qu'ils pourraient très bien faire un... Sachant que Bored Ape travaille sur leur métaverse, je pense que Shiba Inu pourrait très bien, en collaboration pour leur Shibaverse, travailler avec Bored Ape, ce qui donnerait une collaboration des plus intéressantes. Après ça, c'est que mon avis. Alors, Yves, à mon avis, demain, Terra Classic va chuter à mort car beaucoup de personnes vont vendre pour acheter Luna. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc toi, tu penses que demain, le Terra Classic, il va se faire vendre en masse. Mais dans ces cas-là, il devrait être vendu dès maintenant. Moi, je pense... Enfin, Yves, en gros, toi, ton avis, c'est vraiment que le fait que Luna V2 sorte, eh ben, on va avoir un dump du Luna Classic. Pourtant, pas vraiment, parce qu'il y a toujours cette histoire de burn auprès de Luna Classic, de burn auprès de l'UST, pour essayer quand même un minimum de rattraper les dégâts auprès de toutes les familles qui ont perdu de l'argent sur l'UST. Parce que souvent, les personnes qui stackaient l'argent sur les protocoles et sur l'UST, c'était un peu les investisseurs profil bon père de famille, ou bonne mère de famille, qui ont perdu leur argent. Et donc Luna Classic, si vous voulez, c'est un peu... C'est un peu ce symbole-là du bon père de famille qui a perdu beaucoup trop d'argent. Et pour preuve, j'en veux pour preuve, c'est que le séisme qui a eu lieu sur Terra, eh ben, c'est dans le sillage des régulateurs sud-coréens. Et les régulateurs sud-coréens, ils déconnent pas trop. Enfin, ils sont sympas, mais ils déconnent pas trop non plus. Donc le 24 mai, je vais mettre une couleur qui... Flash, voilà, en vert. Le 24 mai 2022, une réunion d'urgence à l'Assemblée nationale suite à l'effondrement du stablecoin Terra UST a été tenue en Corée du Sud. Voilà. Donc ils appellent, si vous voulez, ils appellent ce séisme, ils lui ont donné un nom carrément, ils appellent ça le tourbillon de la mort. Et elles ont estimé, enfin le, pardon, le service financier a estimé à 100 000 le nombre de Luna en Corée du Sud avant l'effondrement de la crypto. Ça, c'était avant. Après l'effondrement de la crypto, donc à post-crash, il aurait atteint 180 000 holders qui auraient perdu de l'argent, surtout avec l'ancrage de l'UST et du dollar américain. Et depuis cette news, en fait, si vous voulez, ils ont pris une décision, c'est de focus vraiment, de regarder vraiment ce qui se passe auprès des entreprises qui vont proposer des produits sur Terra Luna, enfin qui vont proposer les produits Terra Luna. Et donc, ce qui est très 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 intéressant, c'est qu'en fait, ils ont peur d'une chose. En fait, ils analysent... alors, attendez, je vais essayer de retrouver ça. Je sais plus trop où est-ce que c'était écrit, mais en gros, ils analysent le potentiel risque de ce crash de Terra Luna sur le marché des actions classiques. En fait, ils ont peur que les... c'est quoi? C'était 80 milliards de dollars qui étaient sur Terra Luna, je crois, en market cap. Eh ben, ils ont peur que ces 80 milliards de dollars-là, dilués hein, sur la valeur de Luna, eh ben, là, la Corée du Sud a peur que ces 80 milliards de dollars engrangent, si vous voulez, démarrent un séisme financier dans l'économie classique. Enfin, en tout cas, dans le système, dans le marché des actions. Et on a pu le voir d'ailleurs... Hein, pendant le crash de Luna, enfin, on avait Facebook, on avait même Tesla quasiment qui était jusqu'à moins 30, jusqu'à moins 40% de leur valeur. Donc c'est pas rien. C'est pas rien.
Et Luna Classic, ce n'est clairement pas une histoire terminée. En tout cas, Terra n'est pas une histoire terminée, surtout pas pour les régulateurs financiers. Actuellement, on a un Luna USDT à plus 60%, Luna V2, bien sûr, plus 60%, proche de son ATH sur 24 heures. Plus 60% dans l'attente, bien sûr, du lancement sur Luna, sur Binance. Alors, Jordan, je ne vais pas lire ton commentaire. Je ne vais pas lire ton commentaire, pardon, un peu trop vulgaire à mon goût. Le Luna Classic peut-il atteindre 0.1 un jour selon Oumar Tiam? Alors 0.1, tu vois, je vais te faire une petite comparaison avec le Shiba Inu, ça va être, je pense que ça va être assez parlant. 0.1, le Shiba, si tu veux, il a fait 0.40 après la virgule, donc à son maximum. Donc à son maximum, je crois que en market cap, parce que c'est ça qui importe, si tu veux, c'est les chiffres qui sont là. On était aux alentours de 45 milliards, je crois quelque chose comme ça, 45 milliards de market cap. Je peux dire quasiment x 10. Disons que Luna, un jour, je ne sais pas pourquoi, il récupère 45 milliards de market cap, juste pour comparer à Shiba Inu, sachant qu'on a moins de Luna qu'il y a de Shiba, parce que Shiba, on est bien d'accord, c'est complètement n'importe quoi. Eh ben, on va voir ce que ça pourrait donner, je pense, au maximum. Donc là, on est à 8 millions. Donc il faudrait faire x100. x100, on serait à 0.01. 0.018. Et on serait à 80 milliards, 80 milliards, quelque chose de market cap. Donc si tu veux atteindre les 0.01, je pense qu'il faudra se rapprocher de la capitalisation du Bitcoin. Ou alors burn beaucoup de Luna. Parce que là, tout de suite, c'est pas possible. Là, au vu des chiffres, je pense que le 0.01, c'est pas envisageable. C'est envisageable, hein, c'est envisageable, il n'y a pas de problème. Mais pas avant quelques années. Hein. Sachant qu'actuellement, Bitcoin, c'est moins de 800 milliards. Il faudrait que Terra Luna classique, actuellement, atteigne 800 milliards de market cap. Après, si tu as 100 000 Luna classique ou 1 million ou même plus, à 0.01, déjà, c'est hyper intéressant. Alors. SDG Jérémy, salut, comment tu vas? Tu prédis Luna à combien de dollars dans un mois? Alors ça, c'est difficile à dire, Jérémy. C'est difficile à dire, ça va dépendre de ce qui va se passer du côté de Luna classique. Je pense que... de Luna V2, oh, je vais m'y perdre. Ça va dépendre de ce qui va se passer sur le Luna V2 et surtout de comment est-ce que la communauté décide de maintenir ou pas le Luna classique. Parce que si on décide de le garder... De burn de l'UST, de burn beaucoup, beaucoup de Luna classique. Effectivement, on pourrait avoir un très, très bon prix sur le Luna classique dans un mois, dans 2 mois, peu importe. Ça, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Alors. Donc effectivement, on peut avoir un très bon prix de Luna classique dans un mois, mais on n'y est pas encore. Alors, je vais essayer de le rechercher d'ailleurs Luna classique sur TradingView. Non, c'est l'UNC. USDT. USDT sur en spot. Ok. Ouais, donc ouais. Il s'est refait lister un peu partout en même temps le Luna classique. Donc là, c'est très difficile. J'aurais bien essayé de te faire une petite analyse technique. Hein, je mets des guillemets, d'accord? Parce que là, c'est super compliqué de faire de l'analyse technique sur une crypto-monnaie qui est ancienne, hein, mais qui est récente pour les exchanges. C'est super chelou. Enfin, pour moi, c'est du jamais vu, en tout cas. Hein. C'est du jamais vu. En tout cas, là, c'est 20, moins 23% depuis son listing sur je ne sais pas quelle plateforme. Donc, franchement, en price prédiction pour un mois. C'est trop court, c'est trop court. Je pourrais pas me prononcer, mais je pense que déjà se maintenir, ce serait un très bon début. On aura moins de supply et pourquoi pas essayer de faire un x2, x3, sachant qu'on l'a déjà fait sur moins de 24 heures rien qu'aujourd'hui. Donc voilà. Ça, c'est mon avis. Après, c'est difficile de te sortir comme ça des chiffres sortis de mon chapeau, surtout qu'il n'y a aucune analyse technique ou quoi que ce soit en ces temps-ci. Habib Fourati, pour les personnes qui ont du Luna avant le crash et qui ont acheté après le crash, vont-ils être récompensés?
Alors, Furati, si par là t'entends le fait de devoir de récupérer pardon, des Luna classiques et que tu les as achetées après le crash sur un exchange tel que Binance, normalement tu as déjà été récompensé, plutôt dédommagé même je dirais, plutôt que récompensé. Ça va dépendre en fait si tu l'as fait ou pas. Et si tu l'as fait et que tu étais sur la blockchain Terra, normalement tu es déjà dédommagé. Tu as déjà été dédommagé. Alors, Yves, elle sort à quelle heure Luna demain sur Binance 8h? Alors, je crois que c'était 10h à confirmer, à reconfirmer, mais normalement, ouais, c'est entre 8h et 10h, pas plus tard. De toute façon, on verra ça. Alors là, je suis sur Binance peut-être? Ouais, ok. Est-ce qu'on a déjà la paire Luna? Non, on n'a pas encore la paire qui apparaît, donc ça va être difficile de te répondre. Mais normalement, ouais, c'était aux alentours de 10h qu'on avait vu ça. Enfin, en tout cas, c'était la dernière news que j'avais vue. Listing Binance demain à 10h. Alors, on ne sait plus quoi faire sur l'affaire de Luna. Luna classique ou Luna moderne, qu'est-ce qu'on doit acheter? Traoré, Lassini, Ali. Ah, ça, c'est une très bonne question, Traoré. Est-ce qu'on doit acheter Luna classique? Est-ce qu'on doit acheter Luna V2? Est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans toute cette histoire avec tous ces Luna? Bah, ça va dépendre de tes convictions. J'ai envie de te dire, tu sais, s'il y a eu deux Luna, s'il y a deux Luna qui ont été créés, c'est justement parce qu'il y avait deux convictions, deux idéologies fortes. Il y a la première idéologie qui était celle un petit peu de CZ de chez Binance, je la reprends juste ici. Et l'idéologie de Dokwon qui était bah, le créateur de Luna, si tu veux. Donc CZ, pour lui, ça servait à rien de recréer une blockchain. Son truc, c'était de vouloir privilégier un burn massif d'UST et de Luna, estimant que le hard fork, donc la création de la deuxième blockchain ou donc de Luna V2, ne présentait aucune garantie pour restaurer le prix passé d'un token. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour lui, il fallait absolument privilégier le burn du Luna classique. Alors là, je suis retourné sur le Luna classique. Voilà. Pour CZ, donc pour le directeur de Binance, il fallait absolument privilégier le burn d'UST et de Luna classique pour redonner de la valeur à Terra classique, à Luna classique. Et la deuxième idéologie, c'était celle de Dokwon, qui était, bah non, il vaut mieux là, il vaut mieux repartir de zéro, parce qu'en fait, notre UST, l'algorithme, il a foiré, et donc on a bien vu le cataclysme que ça a foutu, et malheureusement, bah, ça pourrait recommencer, donc il vaut mieux pas que ça se passe, donc on recommence de zéro. Et c'est ces deux idéologies-là, qui se sont combattues, entre guillemets, grâce au vote de gouvernance, qui se sont combattues depuis plusieurs semaines, et qui ont donné naissance à Luna V2. Donc, maintenant, ma question, c'est de savoir, par rapport à toi, qu'est-ce que tu dois acheter, Luna classique ou Luna V2? Les deux, aucun. Ça dépend vraiment de tes convictions. Est-ce que pour toi, tu penses que le burn de l'UST, le burn de Luna classique peuvent faire monter le prix en plus, bien sûr, bah, de ce qui a déjà été fait avant? Donc, l'objectif étant de récupérer un UST à 1 pour 1 dollar. Tu te doutes là, ça, c'est pas gagné. Ou au contraire, est-ce que c'est pas plus facile de faire peau neuve, de recommencer depuis zéro et de se dire, bon, c'est vrai que on a foiré, on va garder tout ce qui nous reste en réserve et on recommence. Et si la communauté nous pousse, nous soutient, eh ben on peut aller to the moon, tu vois, on peut mooning quoi. Et donc ça va être vraiment, ça va être à chaque holders de Lunatics, à chaque Lunatics, de répondre à cette question en fonction de ses convictions. Si tu veux, moi sur ma chaîne, je suis un ancien de Luna, même il y a plus d'un an déjà que j'étais sur Luna. Je l'ai vu à moins de 5 dollars. Donc là actuellement, quand je vois un Luna V2 à 10 dollars, moi je trouve que c'est plutôt free. Après, c'est vrai qu'on a un gros passif qui a été fait. Donc il va falloir se refaire une belle réputation, il va falloir vraiment être propre de A à Z, mais une fois que, enfin si on arrive à prouver que Luna classique et même que Luna V2 ont de la valeur, il vaut mieux, à mon humble avis, holder les deux. Pour moi, les deux ont du sens, les deux font sens comme Ethereum et Ethereum classique, sachant que les deux sont dans le top 50 des meilleures crypto-monnaies
au monde. Donc les deux font sens. Après, c'est à chacun de voir. Voilà pour Traoré. Sayuba, Savadogo, salut à toi. Biceps, salut à toi. Yabai, 7h30, je pense, pour le listing de Luna sur Binance. Alors ça, de toute façon, tu verras, je serai en live, peu importe à quelle heure ce sera, je serai en live un petit peu avant. Voilà. Mathieu qui nous dit c'est ça lol, alors je sais pas de quoi tu parles. Noxil, salut. Yves, merci Yawai. AB dépannage 8h demain sur Binance. Donc voilà, c'est à reconfirmer entre vous les gars, n'hésitez pas à le confirmer si vous avez la news. Alors AB dépannage, tu as encore sauté mon commentaire sans faire exprès lol. Penses-tu que lorsque demain matin le Luna V2 va être listé, il va exploser ou pas d'après toi? Mais c'est sûr, elle va exploser. Il n'y a pas un listing où il n'y a pas une explosion. Maintenant, il faut être vif. Si tu as des Luna V2, tu as deux stratégies. À mon avis, c'est soit tu arrives vraiment à être dans les premières secondes et à acheter. Tu vois, là, je te montre l'exemple du Luna V2 qui s'est fait sur Bybit. Donc soit, je sais pas, t'as un bot, t'es magicien ou je ne sais quoi et t'arrives à acheter dans les premières secondes, ce que moi je ne pense pas être capable de faire. Mais par contre, vendre dans les premières secondes, ça c'est possible. Et faire des mèches, et en tout cas vendre sur une mèche à plus 3000%, c'est pas déconnant. Sachant qu'on a bien vu le Luna V2 tenir un bon 25$ pendant plus d'une heure, je crois. Ouais, c'était ça, 17$ pendant une heure. Donc 17$ depuis les 0,5, après voilà, ça c'est vraiment à toi de voir si c'est intéressant de vendre dès les premières secondes, pourquoi pas même de shorter le marché si Binance le permet, parce qu'encore une fois on a des news qui vont d'un sens et deux secondes après on a une news qui dit bah non en fait non c'est pas comme ça, donc c'est pas très transparent, on fait de notre mieux, on vous tient au courant de l'actualité les autres youtubeurs ou moi-même, mais effectivement bah voilà, il faut aussi être aux aguets et c'est pour ça qu'il faut s'abonner et activer la cloche de notification les gars. Il faut mettre un like, s'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les news potentielles et les changements qui pourraient se faire à la dernière minute. Alors grosse info farfelue sur Shibryoshi. Sur Shib, Ryoshi a complètement disparu des réseaux, il a effacé ses tweets et son Twitter, pareil, et la disparition de 4 blogs. Devant nous attendre à une info importante. Est-ce que Ryoshi, alors là j'ai plus son nom en tête, mais Ryoshi c'est qui? C'est le mec qui avait créé Shiba? Mister Heikel, faut que tu me répondes parce que je me rappelle pas de qui c'est Ryoshi, là je vois pas c'est qui comme ça. Yves, merci pour ton explication, ça me fait plaisir. Roro, salut, j'ai enfin reçu mes Luna. Je suis content que t'aies reçu tes Luna, Roro. Tu m'inquiétais. Le renard, je vous conseille. Alors attention, le renard, je ne sais pas si tu es conseiller en investissement, mais en tout cas, il vous donne son avis. Son avis, c'est d'investir massivement sur le Luna classique et il va péter, croyez-le. Sondage. Allez, sondage. Sondage, j'ai pas fait de sondage aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait de sondage, j'adore les sondages. Alors, petit moment de sondage, je t'invite à répondre au sondage. Non, c'est pas ça. Hop, ici, et là. Bon, vous m'en voulez pas, j'écris Luna V2. Mais vous allez comprendre, quoi. Luna V2, c'est Luna, Luna 2.0, et l'autre, c'est le classique. Donc, ma question, c'est de savoir sur lequel tu préfères investir, Luna classique ou Luna V2. Ah, je suis curieux, là je suis très très curieux d'avoir les réponses. Ça va vite, hein. Vous êtes 79 sur le live, je compte sur vous déjà pour lâcher un petit like et pour répondre au sondage sur lequel est-ce que tu préfères investir, Luna classique ou Luna V2.
Sachant que là, ça se tape fort pour 25 votants. On est à... Allez, 26 votants, 58-42. On va attendre un petit peu. Je suis curieux de voir le résultat dans quelques instants. Allez, je veux au moins 50 réponses sur ce petit sondage. Ça va aller très très vite. N'oubliez pas de mettre un petit like au passage, la famille. Ça va très vite et c'est gratuit. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc tout ça, on a vu. Ça, on a vu. Alors, Luna Classic selon Eddie Vide. Eddie Vide. Luna Classic sera 1 euro au moment où le PSG gagnera la Ligue des Champions. Là. Mathieu, tu es belge. Peut-être. Va savoir. Des pions. Vivement demain. J'ai trop hâte. Moi, je suis grave excité. Alors, lequel Luna explose? Bah, on a les deux. Regarde, t'as le Luna Classic Ryujin, t'as le Luna Classic qui est en pleine explosion, qui a fait. Là, il a à plus 35%. Mais regarde, je te mets la bougie sur 24 heures. Voilà, t'as la gueule du truc, quoi. Enfin, excuse-moi. T'as le. Voilà, t'as la bougie qui est plutôt sympathique. Et bah, le Luna Classic aussi, enfin le Luna V2. Je vais m'y perdre. Qui fait quand même un petit x2, enfin x2 non, qui fait plus 52%. C'est, enfin, pour vous, c'est pas une explosion, mais pour moi, 52%. Enfin, je sais pas, demain, je te dis, tiens, t'es payé 1004, et après-demain, je te dis, bah non, en fait, je te rajoute 50% sur ton salaire. C'est toi qui vois, hein, mais si pour toi, c'est pas une explosion, pour moi, ça l'est. Alors, dépannage. Oui, ils m'ont déjà donné 38 V2 sur 7,5 millions de classiques. Mais bah en vrai, 38 V2, enfin je sais pas, tu les as payé combien, tes 7,5 millions, mais 38 V2, c'est 30% de ta somme. Mais en tout cas, crois-moi, ça peut être hyper sympatoche de les, bah, soit de les holder, soit de les revendre vraiment dans les premières secondes. J'insiste sur les premières secondes. Ah, alors, à quelle heure, Ryujin, à quelle heure le Luna V2 sera sur Binance? Bah écoute, Ryujin, on a dit à peu près entre 8h et 10h. C'est de l'à peu près, donc de toute façon, je vais essayer de mettre un post sur Twitter ou sur en communauté YouTube, et puis bah, t'essaieras de voir. Alors, lequel tu préfères investir? Je reviens vite fait sur le sondage pour 43 votes. On n'est même pas à 50 votes, 92 personnes sur le live. On attend minimum les 50 votes, la famille. Allez, un petit vote, ça prend 30 secondes, et puis tu me dis sur lequel tu préfères investir. Pour savoir vraiment lequel en fait vous hype, lequel te hype le plus. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'ai une idée en tête, je peux comprendre, mais voilà. Alors, j'en étais à où? Emmanuel Bourg, il faut qu'il soit à 63$ pour récupérer les pertes de l'UST. Attends, il faut qu'il soit à 63$ pour récupérer les pertes de l'UST. Alors là, j'ai pas fait les calculs, mais au vu de la supply, je pense que c'est bien différent à voir. Ok, Mister Heikel qui me disait que Ryoshi, c'était bien le créateur du Shiba Inu et qu'apparemment il a disparu. Ismain qui me dit, salut, il n'y a pas eu de pump. Bah, Ismain, plus 50%, et là, ici, plus 36%, et regarde la bougie. Ismain. Donc sur Luna Classic, on a eu une méga spatiale bougie, voilà, une bougie de l'espace, un bon boom, comme on dirait dans le game. Et Luna V2, bah écoute, Luna V2, c'est en train de reprendre de l'allure avec cette bougie-là. Attends, là, je suis un peu trop zoomé. Voilà, ici, la grosse bougie ici, elle est quand même pas trop mal. Enfin, moi, j'appelle ça quand même une bonne petite explosion. Après, c'est à vous de voir. Prono, score exact. Tu penses que ça va toucher les 100? Alors, si tu parles de Luna V2, on peut toucher les 100, mais pas sur 24 heures. On peut toucher les 100$. On peut toucher les 100$, mais pas sur 24 heures. Ouais, je me répète parce qu'en même temps, je réfléchis. Mais en gros, il faudrait qu'on soit à 10 milliards de market cap, ce qui est possible sur 24 heures. Mais il faut d'abord regagner la confiance des lunatics, des holders. Et même, j'ai envie de te dire, par des gouvernements, parce que tout à l'heure, on l'a vu, la Corée du Sud, par exemple, a dans le sillage, pardon, Terra Luna. Et clairement, ils ont peur qu'il y ait un crash qui se fasse sur le marché des actions, et donc sur tout le marché global, suite en fait
à la crise qu'il y a eu sur Luna. Donc ça a vraiment un impact démesuré ce qui s'est passé. Black Panda Mining TV. Salut Sama. Perso, je pense que c'est plié pour le Luna C. Par contre, la V2, une dinguerie aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment encore une fois... J'espère que t'as répondu, Black. 55% pour dire Luna classique contre 44% de Luna V2. Ouh, bah vous voyez, c'est exactement pour ça qu'il y a deux Luna. Je pense que c'est exactement pour ça qu'il y a deux Luna, parce que c'était vraiment partagé dans les avis. Moi, j'aurais dit que vous, enfin, j'aurais dit qu'on serait tous plus chauds pour le Luna V2, parce qu'en fait, on fait peau neuve. Mais apparemment, le côté shitcoin du Luna classique, ça a l'air de plaire. Et je peux comprendre, parce que du coup, pour pas grand-chose, tu te retrouves avec des milliers de Luna classiques. Et si tu sais les holder, de toute façon, tu t'en fous, parce que ça vaut rien. Tu sais, tu les hold sur un compte comme ça, à l'arrache, sur Binance même, ou n'importe où, et tu les laisses, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans même s'il le faut, et que tu repasses. Et tu vois un Luna classique à 0,1$ et que t'en avais 600 000 ou même beaucoup plus, je pense que là, on sera bien content à ce moment. Donc ça, c'est sûr. Pronoscore Exact, il dit qu'il a demandé au service client de Binance, et apparemment le listing se ferait à 8h demain, donc voilà, si c'est à 8h demain, de toute façon je serai présent en live 8h demain, si c'est à 10h, on sera là à 10h. Donc ça mange pas de pain d'acheter 100€ de classique et d'investir sur V2 à l'ouverture et revendre 20 minutes après. C'est une stratégie, après c'est vraiment à, comment dire, avoir en fonction de ton risque, de ton profil d'investisseur tout simplement. Avoir en fonction de ton profil d'investisseur. Alors, je vais vous remettre un petit peu le carnet d'ordre. Peut-être que je suis un peu trop zoomé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se dit d'autre? Pourquoi les premières secondes? Bah, parce que tu peux le voir, c'est dans les premières secondes, les premières minutes qu'on a vraiment les plus grosses mèches. Parfois, ça prend un peu plus de temps à voir. Et c'est à ce moment-là qu'il est plus intéressant de vendre. Grimlock, à combien penses-tu que Luna 2 va pumper demain à l'ouverture? Price prédiction comme ça, sorti de mon chapeau. Sachant que sur Bybit, c'était le premier à le lister, on s'est retrouvé à 30$. Et qu'on attend Binance tous de pied ferme. Je pense qu'on pourrait toucher... Je pense que demain, on pourrait toucher un 30 ou 40$. Mais pendant un court laps de temps. Et après, genre, s'effondrer. Bah, un peu comme là. 30 ou 40$... à son listing, ensuite on s'effondre et ensuite on va aller se stabiliser peut-être 24 heures ou 48 heures plus tard. Ensuite ce sera de la pure volatilité et là ça, bah là je sais pas du tout ce que ça donnera. Alors j'avais 1900 UST, j'ai reçu 9,18 pour 18% pour 30% de UST. Il faut qu'il soit 62$ pour que je récupère 570$ au-dessus, c'est bénef. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. Toi, tu parlais... Ok, en gros, il est en train de nous dire, Emmanuel Bourg, c'est hyper intéressant ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en fait, pour qu'il récupère son investissement initial, il faudrait que le Luna V2 soit 62$. Et je pense que ça doit se jouer à pas grand-chose pour nous tous, en fait, pour la plupart des holders des Lunatics. Donc 62$, en vrai, c'est possible. Sur 24 heures, c'est chaud. Sur 24 heures, c'est vraiment chaud, sachant que l'ancien ATH, c'était 120$. Mais c'est possible. C'est possible, mais pas sur 24 heures. Encore une fois, je resterai sur mes 30 ou 40$, peut-être 50, si on a vraiment de la chance sur Binance, qu'on a un gros pump et tout ce qui va bien. Donc Noxil, je viens de répondre à ta question. Tu vois le Luna à combien au lancement sur Binance? Bah, je vois le Luna aux alentours des 30 ou 40, 50$ grand max. Si, dès le lancement en fait, vraiment dès le lancement, j'insiste. Alors pour Shiba, RAS, selon Solidwood, il est toujours là, Shitoshi Kusama. Black Panda Mining TV. Ok, admettons pour les 100 USD, mais qu'est-ce qu'il en sera du prix pour les autres plateformes type MEX, RETC, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir ce qu'on appelle l'arbitrage. C'est qu'en fait, là pour l'instant, les plateformes, elles t'empêchent de retirer ou de déposer des Luna
Parce qu'en fait, il n'y a pas encore l'arbitrage qui est bien effectué. Et le problème, c'est que par exemple, si sur Bybit, bah, le Luna il est à 9$ et que sur Binance, il est à 50$ demain dès les premières minutes, bah, tu te doutes bien qu'il serait beaucoup plus intéressant de retirer ces Luna V2 tout de suite de Bybit et de les mettre sur Luna V2. Et le problème, c'est que tant que l'arbitrage ne sera pas effectué, eh ben, on n'aura pas le prix sur les autres plateformes qui sera identique. Ça, c'est hyper important à prendre en compte. L'arbitrage à ce niveau-là. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait une vidéo ce matin d'ailleurs, c'est comme ça que quelqu'un s'était fait 800 000 dollars sur Anchor Protocol parce que l'arbitrage n'avait pas été fait entre le Luna V2 et le Luna Classic. Et à un moment, en fait, Anchor Protocol a cru que Luna Classic était à 5$. Donc le mec a emprunté en collatéral, je sais pas comment il a fait, il a emprunté un maximum de Luna Classic et il s'est retrouvé à gratter 800 000 dollars de retrait en quelques minutes. Simplement parce que l'arbitrage ne s'est pas fait. Ça va très vite. Hein. C'est pour ça qu'ils font bien attention avec l'arbitrage, les exchanges, et c'est dommage. Alors, le LUNC à 0,0006, ça serait déjà bien. Effectivement, en gros, faire un x4, ça serait déjà bien, mais c'est possible. Hein. C'est possible. Là, il faudra juste être patient. C'est que la patience qui paiera pour. Là, c'est être un Jedi. Il n'y a que la patience qui payera pour les vrais Padawan. Alors, il y aura un arbitrage des prix ou pas? Bah oui, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Du coup, Prono, tu penses à un x300 demain? C'est possible selon le prix auquel liste Binance. J'insiste, selon le prix de listing de Binance. Si Binance liste à 0,1 cent, c'est qu'on est à 30$, ça fait x300. Luna va descendre ce soir, tout le monde veut vendre, impossible que Luna dépasse 10$. Selon Abdallah, ça dépend. Voilà, je pense qu'après ça va être vraiment chacun son avis. Son pic 50 à 60$, je tiens le pari. Moi j'ai vendu mes deux Luna. J'avais acheté à 8$, j'ai vendu au même prix, ça reste un shitcoin. Mais comment est-ce que le mec a fait pour trouver ça? Alors là, toi tu parles, je pense, de cette histoire d'arbitrage. Mais en fait, il a rodé. Je pense que lui, il a rodé un petit peu partout. Et il s'est rendu compte que, il pouvait y avoir un délai. Et c'était, en vrai, c'était. Fallait te. Fallait voir le futur quoi. Impossible, tout le monde attend Binance, ça va tout changer. Donc là voilà, là il commence à y avoir des discussions sur le prix de Luna dans les commentaires. Donc forcément, alors, hop, est-ce que je vais y arriver? Non, j'y arrive pas. C'est pas grave. Je vais faire ça. Putain, il souffle cet ordinateur. C'est abusé. Abusé. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Petit bored ape. Hop. Je reviens juste là-dessus. Je vous demande quelques instants, quelques secondes. Ok, nickel. Excusez-moi, petit problème technique, c'est réglé. Donc, où est-ce qu'on en était? Bon, de toute façon, j'ai un petit peu oublié où est-ce qu'on en était, mais c'est pas grave, je voulais vous parler d'une petite news, voilà, Shiba Inu. Je pense que cette news peut intéresser certains d'entre nous, sachant que j'ai pas mal parlé de shitcoin sur ma chaîne. Donc, petit Shiba Inu, Luna classique, voilà, je pense que là, on fait bien le tour des shitcoins en ces temps-ci. Parce que pour moi, Luna Classic est devenu un shitcoin. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Luna n'est pas un shitcoin, en tout cas Luna V2. Alors, le prix du Shiba est en baisse, on le sait, mais beaucoup de whales Ethereum achètent toujours de la crypto Shiba. Alors ça, pour dire qu'on est en baisse, c'est peu de le dire. Hein. Regardez Shiba Inu pour ceux qui en ont. Franchement, c'est que, bah voilà, Luna Classic et Shiba Inu, je pense que c'est vraiment le même délire. C'est qu'il y en a pas mal qui ont toujours dit, ouais, non, c'est des conneries, c'est un shitcoin, c'est blablabli, c'est blablabla. Mais derrière, quand il y avait des fois 1 million de pourcents sur Shiba Inu, alors là, ceux qui étaient placés,
Ils étaient bien contents, ils faisaient bien taire ceux qui disaient que c'était seulement du shitcoin sans aucun sens. Donc 77% des investisseurs de Coinbase sont bullish, c'est-à-dire qu'ils sont acheteurs sur le Shiba Inu, contre seulement 23% qui sont bearish, donc qui sont sur la vente du Shiba. Donc voilà, ça c'est une petite statistique. Donc sachez aussi que le temps de retenue, donc en fait le nombre de temps sur lequel on est en train de holder le Shiba Inu est en train d'augmenter. Et là on est en moyenne sur 133 jours. Donc c'est quand même énorme. Ça va bientôt faire, je sais pas, 5 mois, je crois, 4-5 mois, quelque chose comme ça. 133 jours. Et depuis, en fait, depuis le dump, on hold. Donc ça, en fait, ça fait quand même parler l'expérience. C'est-à-dire que même s'il y a pas mal de nouveaux investisseurs qui ont sûrement connu les crypto-monnaies avec Shiba, et là peut-être que c'est le cas aussi avec Luna, et ben ces nouveaux investisseurs sont quand même des holders, mine de rien, du Shiba Inu. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas acheté énormément, je ne sais pas, mais ils continuent de holder le Shiba Inu. Et regardez, sachant que le Shiba Inu, il a fait moins 87%, si on devait repartir sur une hausse actuellement, on pourrait faire jusqu'à x7. 630%. Je pense que Luna Classic peut faire largement mieux. Ils en ont bien plus dans le pantalon que le Shiba, à mon avis. Après, ça, c'est que mon avis, bien sûr, je peux me tromper. Donc voilà, hier, c'est. Hier, voilà, il y a une whale du nom de Blue Whale 0073 qui a acheté 1,5 million de dollars de Shiba Inu pour récupérer 142 milliards. 142 milliards de jetons Shiba Inu. C'est énorme. Je me demande qui se dit je vais m'acheter 1,5 million de dollars. Tiens, je suis curieux. Je vais encore vous poser une question. D'ailleurs, ça a donné quoi là mon dernier sondage? J'ai même pas vu. Alors, sur lequel tu préfères investir? On a 82 votes. Pour Luna, enfin, on a 82 votes au total, 62% de Luna classique et 39% de Luna V2. Donc, effectivement, le Luna classique a remporté la place dans votre cœur. Bon, après, c'est pas représentatif, on n'est pas non plus des centaines de milliers de personnes, mais voilà. Maintenant, second sondage, je vais mettre fin au sondage. Je vais encore vous solliciter en attendant la Crypto Family. Le temps que j'écrive, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker bien sûr, ben voilà, pour faire remonter, pour soutenir la chaîne. Hein, c'est un petit like, c'est peu cher payé. En plus de ça, j'ai pour objectif de ne pas faire. Non, je vais pas parler, je vais même pas parler. Voilà, je vais pas parler, puis tant pis, on verra ça plus tard. Ça, je vais pas le dire, je le garde pour moi. Alors, poser une question. Et là, ça va être dur. Enfin, je pense. Je sais pas. Hop. Et je vous mets un petit truc quand même. Allez. Allez, le sondage qui a été mis. Tu peux répondre au sondage. La question c'est, est-ce que tu préfères Shiba Inu ou Luna Classique? Est-ce que tu préfères Shiba Inu ou Luna Classique? Je suis très curieux de vous lire parce que je sais qu'il y a une communauté de dingue derrière le Shiba Inu. Mais peut-être qu'il s'est un peu essoufflé. La hype s'est peut-être un petit peu essoufflée. Mais je pense que la communauté est tellement dingue derrière le Shiba Inu que on pourrait être surpris sur ce sondage. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Allez, je vais continuer de vous lire. Je sais plus trop où je m'étais arrêté.
Alors, Solidwood. Personnellement, comme prévu, 90% des projets qu'on voit maintenant vont disparaître. Donc, autant se positionner sur les 5 à 10 projets qui ont réellement du sens. Solidwood a, franchement, ça, c'est une remarque pertinente. Et pour ça, tu peux mettre un like. Non, sérieusement, en gros, selon toi, c'est le fait que là, il y ait des nouveaux projets ou même des projets déjà existants. Pour toi, 90% sont voués à disparaître. Ça, c'est une statistique de toute façon. Dans les entreprises, en général, c'est 80% des entreprises meurent au bout de 4 ans. Et si tu rajoutes 4 ans, c'est 80% des entreprises qui ont survécu qui meurent. Donc en fait, en fin de compte, il ne reste plus que 1% au bout de 8 ans. Donc effectivement, des crypto-monnaies qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y a le Litecoin, il y a peut-être, il y a le Bitcoin, il y a Ethereum. Il y a Monero et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Donc ça, c'est difficile à dire sur le long terme, mais c'est beaucoup trop jeune, c'est un marché vachement jeune. Alors d'autant plus avec le marché des NFT maintenant qui est associé au marché des crypto-monnaies, qui est d'autant plus spéculatif et qui est encore plus risqué, mais qui propose des rendements complètement hallucinants à côté du marché des crypto-monnaies, bien sûr. Là où sur les cryptos, tu peux faire un fois 100, sur les NFT, tu peux faire des fois 100 000. Roro, bon, c'est à mon tour de roder. D'accord. Alors, Crypto 2, Drist, tu penses que ça va descendre le Luna 2 d'ici demain matin? Luna 2, Luna 2, est-ce que ça peut descendre? Ça, franchement, oui. Alors, justement, le Luna 2 peut être en total dump, c'est-à-dire en total baisse, jusqu'à demain, jusqu'au listing. C'est une pratique souvent connue. Tu vends la news et tu achètes la rumeur. Enfin, tu achètes la rumeur et tu vends la news plutôt. Donc en gros, tu vends à foison pour récupérer de la liquidité et tu rachètes le lendemain dès les premières secondes pour te remettre sur le marché. C'est possible. Noxil, Luna sera au prix du marché à l'ouverture sur Binance. Luna sera au prix du marché. Alors Noxil, si ta question c'est de savoir est-ce que Luna est au cours actuel, quoi, tu vois là, genre 9 dollars ou quoi, enfin 8,7, la réponse c'est non. Est-ce que Luna va commencer à 0 point quelque chose? Sûrement. Problème, c'est que c'est vraiment Binance qui décide et on n'a pas la réponse. Et donc on ne peut pas vraiment savoir. On peut pas vraiment savoir. Ils veulent que le moins possible de personnes soient dans le train quand ça va péter, selon Solidwood. Luna classique. Alors, je vais voir le petit sondage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour 42 votes, le Luna classique est complètement gagnant à 62%, mais Shiba Inu se défend. Le Shiba Inu se défend, franchement, je crois qu'on n'est pas loin. C'était quoi le résultat déjà pour l'autre? Luna classique versus Luna V2, c'est pareil. On a les mêmes chiffres quasiment, hein. Donc, c'est pas fini, hein. En plus, on peut encore voter, donc ce n'est pas fini. Alors, on peut pas envoyer de Luna de Bybit à Binance, je vous le dis, ça va exploser, sinon il bloquerait pas. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que tu peux pas, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage, on en a parlé tout à l'heure. Alors, Emmanuel Bourg qui nous a pris un copier-coller de Binance. Les dépôts et retraits pour Luna ouvriront le 2022-05-31 UTC, soit 7h30 en France. Le trading pour les paires de trading Luna USDT et BUSD. Se feront. Ah, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être hyper intéressant. Excusez-moi, je lis un peu à moitié, donc forcément, tu comprends pas trop ce que j'ai lu. Mais en gros, Emmanuel, il nous dit que à 7h30 du matin, demain, on va pouvoir déposer et retirer les Luna V2. Donc, ça peut être hyper intéressant si tu es sur Terra Station. Là, tu peux faire un coup de maître. Un coup de maître. Tu récupères tes Luna V2 que tu vends instantanément. Et pourquoi pas même sur Bybit si ça chute. Mais je crois que sur Bybit, ils n'ont toujours pas autorisé Bybit, Qcoin, Gate.io. Je crois qu'ils n'ont toujours pas autorisé les dépôts ni les retraits. Mais sinon, ça peut être encore hyper intéressant parce que tu as 30 minutes. Et ce court laps de temps de 30 minutes est largement suffisant pour t'envoyer des Luna. Après, la question, c'est
Est-ce que tu vas payer assez en fees pour pouvoir le faire? Parce que tu peux me croire, je pense que demain, ça va être costaud hein, comme match. Le listing de Binance. Quel est le listing quelle est ta stratégie pardon, pour Luna V2? Ma stratégie pour Luna V2, c'est du DCA. Alors moi, Luna, je suis un grand fan de Luna depuis très longtemps. Tu pourras le voir sur ma chaîne, tu tapes Sama Luna, je pense que tu vas trouver. Mais ma stratégie pour Luna V2, c'est tout simplement d'acheter en DCA et de hold sur le long terme, comme je faisais avec le précédent Luna. Arc, salut à toi Arc. Hey, je me rappelle de vous, attention, hein, c'est une bonne mémoire. Arc, coucou. Alors, tu penses que demain il va monter à combien sur Binance? Bah, je t'ai dit, moi, franchement, j'ai mis un pari. Wow, regardez cette bougie, regardez la bougie là, attends. Hop. Voilà, violence des bougies. Il y a un gros volume explosif là. Il y a un méga volume là sur cette bougie de Luna classique. Wow. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, alors, à combien est-ce que j'estime Luna sur Binance demain? J'ai dit, je faisais une tentative pour moi jusqu'à un 30, 40, peut-être même 50 dollars. Après, je suis très bullish, donc je peux te dire vraiment n'importe quoi. Il faut vraiment pas m'écouter, parce que je suis pas du tout conseiller en investissement. Je suis qu'un mec derrière sa caméra qui fait des vidéos. Voilà. Je te le dis. Mais au vu de ce que j'ai pu voir dans le passé, ça, c'est possible que quelque chose comme ça se fasse. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, donc de toute évidence, le Luna Classic gagne largement le pari. Enfin, le pari gagne le sondage, pardon. 63% de Luna Classic versus 37% pour Shiba Inu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors un petit like la famille, on est 107 sur le live. Mettez des gros likes pour booster la vidéo dans le live. Enfin, dans les lives. En plus de ça, je vais peut-être pas rester encore des masses. Il est 21h déjà. Mais voilà, petit like juste pour le soutien, ça me fait plaisir. Je vous en demande pas plus. Si peut-être un petit abonnement, la crypto famille. Et puis c'est tout. Attends, ça me gratte l'œil. Alors, où est-ce qu'on en était? Shiba Poussin 6630, il nous dit qu'il a 35 millions de Shiba. Je me rends pas compte là, ça fait combien 35 millions de Shiba, mais je crois que tu dépasses les 400 ou 500 dollars, je crois. Je sais plus. Solidwood, adoption massive imminente. Ça c'est bien, j'adore ce genre de titre. Ça c'est les titres américains. Luna Mining Now, let's go! Alors, où est-ce qu'on en est? Je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout le monde. Alors. Emmanuel Bourg. Perso, je veux juste récupérer ma perte en UST. S'il va au-dessus de 60, je vends direct entre 40 et 60 et je réfléchis. En dessous de 40, je hold. Ça n'engage que moi. Effectivement, à chacun sa stratégie. Certains voudront récupérer leur perte. D'autres voudront simplement, en fait, ils s'en foutent parce qu'ils ne regardent pas beaucoup le marché. Et donc, ils ont vu qu'ils étaient en perte. Ils se sont dit, bon, bah, je suis en perte, je ne vais pas vendre maintenant. Donc, ils vont hold. Et c'est peut-être une très bonne stratégie. Et d'autres vont être en DCA et vont continuer d'acheter parce qu'ils y croient. Surtout qu'une crypto qui se fait lister sur Binance, délistée, qui se fait relister et qui revient avec une deuxième crypto. Je crois que si on avait un livre d'histoire pour la crypto, bah Luna serait dedans. Hein. Il y aurait Shiba Inu, il y aurait Luna. Il y aurait SafeMoon et il y aurait Dogecoin et bien d'autres, bien sûr. Alors, sur FTX, ça apparaît le airdrop et en calculant, ça donne environ 5 dollars au lancement, mais ils changeront peut-être d'ici leur lancement. Ok. Abdallah, Luna va descendre, seuls les malins vont vendre maintenant. Poulet Adrien, salut, je viens d'arriver sur le live. Qu'est-ce que t'en penses du lancement demain? Il y a moyen qu'il pump. Yes, alors, je reviens vite fait dessus, mais mon estimation, ça peut être un toucher, un petit toucher de Luna de 30 à 40 dollars sur Binance. Avant de voir un méga crash spatial, bien sûr, parce que pour moi, impossible que ça tienne le prix sur plus d'une heure.
Alors, impossible d'avoir les Luna au bon prix, sauf si on a des bots, effectivement. Devnov, mais faites gaffe, en fonction de la congestion du réseau, les transferts de Luna peuvent prendre des heures. Oui, c'était ça, Devnov, merci. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié. Mais effectivement, si vous venez à déplacer vos Luna de Terra Station à Binance, n'oubliez pas d'augmenter les gas fees. Hein. Sachant qu'en plus de ça, ça coûte rien du tout maintenant. Vous pouvez mettre pour au moins 50 cents, je pense, de gas fees pour être sûr que la transaction se fasse. Parce que sinon. Vous avez de fortes chances que la transaction ne se déroule pas. Ou en tout cas se déroule, mais genre des heures plus tard quoi. J'ai pas tout capté. Peut-on retirer des Luna V2 de MEX par exemple et les envoyer sur Binance? Black Panda, non. Pour l'instant, on ne peut pas de MEX. On ne peut pas de n'importe quel exchange. Et je pense que Binance sera le premier d'ailleurs à accepter les dépôts et les retraits. Mais sinon, non, on peut pas. C'est encore une fois, on revient à cette question d'arbitrage. Et tu pourras en regarder si tu veux la rediff du live. On verra ça dans la rediff. Ok, alors Sébastien, moi je me suis fait un bug de encore protocole. Alors, tac. Où est-ce qu'il est le Luna classique? Je vais le mettre sur Luna classique en une minute. Oups. C'était quoi la question? Oui, tu vas surveiller les encore. Enfin, tu vas te faire un bug de encore protocole et encore protocole. En fait, l'encore face à l'USTC, il est hyper intéressant parce qu'il touche des nouveaux plus hauts. Mais c'est normal en fait, vu qu'on a eu un USTC qui s'est crashé. Il touche un nouveau plus haut, tu peux le voir là. Hop. Je vais réussir à me mettre bien sur le graphique. Voilà. Il touche un nouveau plus haut par rapport à son ancien plus haut qui était à 6 USTC. Mais avant, 6 USTC, c'était 6 dollars. Maintenant, 10 USTC, je crois que c'est même pas un dollar. Donc, mais ça peut être intéressant de le vendre vis-à-vis de l'USTC plutôt que de l'USDT. Après, c'est qu'un avis. On a le Luna classique, enfin le Luna V2 qui est en train de repasser sur les 9 dollars. Solidwood qui nous dit effectivement encore et sous-côté aussi. Abdo Watani, on n'a pas le prix justement de Luna Classic demain. Vous pensez mettre combien sur le Luna V2? Je pense qu'ils vont te répondre. Alors, on n'est certes pas 100 000, mais tu peux constater que les fidèles de Luna Classic sont fidèles. Et les sondages sont révélateurs, même en moindre échelle. C'est vrai d'ailleurs, qu'est-ce qui redonne ce sondage? 73%, 73 votes, 64% de Luna Classic contre 36% de Shiba Inu. Donc, ok, Luna Classic gagne à tous les coups, même par rapport à Luna V2. Shiba to the fucking moon, let's go. Ok, donc 120 $ égale 1 million de SHIB. Si je mets 50 € levier 10 dès qu'il sort, je vais pas clôturer avec un levier 10. J'ai pas compris, Arc. Tu peux pas mettre de levier encore. Perso, j'ai acheté de Luna en futur sur KuCoin. On verra demain, levier x5. Qcoin apparemment accepte les leviers en x5. Penses-tu que nous allons pouvoir se positionner directement à l'entrée où nos ordres vont passer après tous les traders? Dépannage, je pense qu'on n'a aucune chance de se placer au début. Tu ne peux plus rien enlever à ceux qui n'ont plus rien. L'UNC est déjà KO, il essaye de remonter tout doucement, mais le V2 peut perdre gros. Ponzi. Ok, donc en fait, pour Solide, en vrai, la logique, elle est implacable. J'adore. C'est de la logique vraiment implacable. Parce que comme Luna Classic a tout perdu. Est-ce qu'on peut faire pire que rien? Est-ce qu'on peut faire pire que rien? Mais c'est ce que je m'étais déjà demandé quand ils avaient fait moins 50%. Hein. Mais oui, apparemment on peut faire pire que rien. Après, effectivement, on a perdu beaucoup sur le Luna classique, donc ça va être difficile de faire pire. Et beaucoup plus simple de faire mieux, je suis assez d'accord. J'ai compris la logique. Si le prix de Luna atteint 40 $ au lancement sur Binance, sur Bybit, le prix va aussi être pareil, ou bien le lancement sur Binance sera isolé des autres exchanges. En fait, Noxil, ce sera isolé des autres exchanges, mais par contre,
Le fait que ça explose sur Binance, ça peut créer beaucoup d'afflux sur Bybit, sur MEX, KuCoin ou n'importe quoi. Parce que Binance, c'est comme si Binance disait, bah en fait, voilà, le prix, il n'est pas de 9$, mais en fait, il est de 22$. Et donc, tout le monde va se mettre à acheter là où c'était moins cher. Et puis, au bout d'un moment, tu vas avoir ce fameux arbitrage qui va se faire petit à petit. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'aurais répondu à toutes vos questions. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents durant ce live. Vous êtes des tueurs. Un gros like si ce n'est pas encore fait. Un abonnement si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve demain pour un live listing Luna V2 sur Binance. Sur ce, c'était Sama. Je te souhaite une excellente fin de journée. Et d'excellents investissements. Ciao, ciao!